Seigneur de Seigneurs. Dans le palais de l'Éternel, tous ces cris, tous ces cris, tous ces cris. Que le Très-Haut vous bénisse et qu'il vous bénisse davantage. Vous savez, quand nous entrions, Dieu m'a mis à cœur quelque chose qu'il faille vous exhorter avant qu'on déclare le thème, le 163e sous-thème. Soyez sans fautiste comme fait Maman Clémentine. Vous voyez, elle est restée elle-même. Hein? Que les gens parlent, que les gens racontent. Amen. Elle n'abandonne pas son père. Amen. Voyez-vous, dans tout ce qu'elle compose comme cantique, amen, son père est là-dedans. Amen. Voyez-vous, c'est ça la bonne fidélité. Amen. Ne recule pas parce que tel a dit, ne recule pas parce que tel a raconté, ne recule pas parce que quelqu'un t'a appelé à côté. Il faut avancer. Amen. Il y a pour le moment les décourageurs. Quelqu'un peut t'appeler, non, voyez votre pasteur, nous l'aimons beaucoup, mais attention, non, non, il ne m'aime pas. Il ne veut pas l'épanouissement. Nous sommes dans un thème purement et hautement politique. Quand nous avons des prophéties, il y a aussi des prophéties hautement politiques. Nous avons une promesse hautement politique. On ne peut pas se désengager de la promesse. Il faut qu'on comprenne en amont ce qu'elle est cette église. Qui est le pasteur de cette église? Partout, c'est la même prophétie. Je vous dis la même prophétie partout. Même prophétie. Quand on parle de cette église, et quand on parle de moi, amen, elle a peuplé des yeux. Quand quelqu'un est aux États-Unis, il dit, fonce, ce pays entre tes mains. Amen. Depuis que j'ai commencé à donner les enseignements sur la Constitution, amen, les intellectuels suivaient les enseignements sur la Constitution. Amen. Quand on ne connaît pas la Constitution de son pays, on est hors de ce pays. Il faut qu'on ait la Constitution. Moi, je parle pour faire comprendre et le droit constitutionnel et la Constitution de mon pays. De peur qu'un jour Dieu m'interpelle, j'étais doté d'une capacité, mais tu as laissé mon peuple en danger. Je ne veux pas que ce peuple soit en danger, d'où je dois les clarifier. Je ne peux pas parler comme un opposant, je ne peux pas parler comme un pouvoiriste, je parle comme serviteur de Dieu avisé. Et quand je parle, je n'ai pas de tendance, je n'appuie pas tel, parce que les politiciens ont prostitué la Constitution. Les politiciens ont prostitué le droit constitutionnel. Les politiciens ont prostitué la science au Congo. Alors, peuple de Dieu, comme je suis avisé, je dois quand même éclairer la lanterne. Et chaque fois quand je termine le travail, tu vois, le matin, quand le pasteur il suit, il m'appelle, il me dit, non, non, ce que tu as fait, c'est bien, c'est bon, courage. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et beaucoup de gens m'encouragent. J'aimerais que la crème pensante, je regarde tout le monde, j'observe tout le monde, je ne suis pas fainéant. Un jour viendra. Déclarons le thème de l'année. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que le 163e sous-thème, et nous débouchons avec notre credo de la vision.
Faisons-le dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel est ici. Nous allons récupérer la totalité du pays. N'est-ce pas un sous-thème hautement politique? N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il faut comprendre une chose, hein, l'enjeu de taille. Après la Constitution, je vais parler sur l'état de Vatican. Je vais expliquer l'état de Vatican ainsi que toutes les structures de l'État de Vatican. Vatican comme pays et le pape comme président de la République de Vatican. Je vais expliquer le rôle de chaque structure et le rôle des prêtres dans chaque pays. Et je vais aussi partir très loin, je tenterai de parler sur le code d'Amourabi. Je dois parler aussi sur l'histoire du droit. Pourquoi le droit est né? Le droit est né pourquoi? Il faut que je parle de l'histoire du droit. Pour que les gens comprennent qu'est-ce qui allait nous orienter, nous guider. C'est Dieu qui donnait les orientations. C'est Dieu qui organisait la société. Alors, les humains, d'ailleurs, si vous lisez Justinien, dans son règne, ce qu'il avait misé comme politique gouvernementale, quand bien même on lit sur la séparation de pouvoir, et vous savez, trois quarts des scientifiques se trompent sur Montesquieu. On l'interprète mal par trois quarts et trois quarts des professeurs des universités, juristes, politologues confondus, quand ils parlent de la séparation de pouvoir. La séparation de pouvoir dont nous faisons mention aujourd'hui, ce n'est pas celle que Montesquieu avait inventée. Et on lui colle ce qu'il n'a jamais dit. Et c'est resté chaque fois tout le monde. Montesquieu a parlé de séparation de pouvoir. Oui, Montesquieu avait dit le pouvoir arrête le pouvoir. Mais comment lui, sa nomenclature est compartimentée? Je vais éclairer la lanterne. Parce qu'on a prostitué la science. Et je dois sortir les gens dans cette prostitution scientifique. Un mensonge est resté collé à la peau, même aux grands professeurs d'université. Ma foi, je dois refuser. Celui qui m'a formé en droit constitutionnel, c'est un grand constitutionnaliste. À la fin, il a eu un problème sérieux du fait de vouloir plaire à Mobutu. Le professeur Ndumba Kamatanda. C'est lui qui m'a formé en droit constitutionnel. On partageait avec lui. Il me parlait. Il disait toujours, toi, il faut que tu sois un jour constitutionnaliste. Mais Dieu m'a appelé. Je suis maintenant docteur de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il est à noter une chose, peuple de Dieu. Il faut marcher avec la vision que Dieu te donne. Quand Dieu dit soin, vie, abondance, il prend soin, il donne la vie, il donne l'abondance. Le mot soin, il faut le comprendre dans les soins pastoraux. Quel est l'impact de ce mot soin? Vous de la bergerie, ne soyez pas des naïfs. Quand nous venons, toutes les églises, vous allez constater, ils sont en train de prier jusqu'à maintenant. Au début, il commençait à 8h, 9h, à 11h, il s'arrête. Mais en venant, chaque fois que nous sommes dans le véhicule, on parle avec Soula, Caleb, ainsi, voilà, ils sont encore là. Hein? Ils sont encore là. Depuis 8h, d'autres 9h. Les pasteurs, leur stratégie, vous savez, c'est laquelle? Ils se disent, on les maintient.
quand nous les libérons, ils vont suivre la prédication du pasteur Galate. Maintenant, la politique, c'est laquelle il faut les garder. Et ils disent, vous venez à peine vous sortez. Regarde les gens de chez Pasteur Galate, ce sont les vrais fidèles. Partout ici à Cambouf, on vous considère comme des véritables fidèles assis. J'ai toujours parlé avec les pasteurs. Quand je parle avec un pasteur, il dit, toi au moins, tu as des fidèles. Alors, cette église, quand on a commencé, par moi, on faisait deux gonds. On prie le matin, on rentre le soir, on prie, après on va à la montagne. Ce n'était pas une église de plaintifs. C'est une église des gens, je peux dire, des vrais fidèles, les assis. Et c'est cette église qui a poussé toutes les églises de chez nous à se rechercher davantage. Quand on est leader, il faut savoir garder son leadership jusqu'à la fin. Pourquoi je venais de féliciter Maman Clémentine? Depuis qu'elle compose les cantiques, un seul cantique, sans citer mon nom, on avait reçu une amie d'enfance, elle est venue prier avec nous. Quand Maman Clémentine citait mon nom, lui, ça la faisait mal. Oh, ben, on t'a pas gagné. Ben, on t'a pas gagné. Je ne sais pas, c'est venu au sens, ben, on t'a payé. Je ne sais pas. Quand on est dans le Yumba Benyé, on n'a pas entraîné à tes mains à mon cou à gauche, on a été bien à mon cou à gauche. C'est ça la même. Ne vous laissez pas entraîner par les gens qui vous appellent à côté. On en a passé avec nous. On en a Yves Naïvi. On en a politique. Non, soyez intelligents. Jésus était face à la politique, face aux politiciens, face au gouvernement. Jésus est venu pour corriger les histoires, pour dire quoi? Non. Les gens comprennent mal quand on dit à César ce qu'il y a à César, à Dieu ce qu'il y a à Dieu. C'était à quel moment? Il prend la monnaie et il a parlé de ça où? En se référant au livre d'Ésaïe. Et quand il parlait, avec tout ce qu'il y avait comme bruit, tout ça, il dit attention. À César, ce qu'il y a à César, à Dieu, ce qu'il y a à Dieu. César, c'était un titre honorifique de tout cela qui prenait la direction des affaires politiques. C'est à César. Autrement dit, je ne peux pas, moi, créer une politique monétaire. Je ne peux pas, moi, vous mentir et vous dire l'argent, c'est Dieu qui l'aurait fabriqué. Non. Ce sont des individus. Mais les individus se sont référés à quoi? À la matière originale créée par Dieu pour avoir la monnaie. Pour dire, regarde ce qu'il y a à César, c'est artificiel. Ce qu'il y a à Dieu, c'est naturel. Vous comprenez, peuple de Dieu? Mais il n'a pas dit, ne les prêchez pas. Non. Il a dit, il faut les exhorter. Ils doivent se convertir. Ils doivent arrêter ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire, peuple de Dieu. Dans tout ce que je fais, je suis attentionné. Et comme je suis attentionné, il y a une église à Likasi. Le pasteur est venu, c'est quel jour, c'est vent, pour venir adhérer à la bergerie. Il y a une église. Il y a 15 églises à Kinshasa qui veulent adhérer à la bergerie. D'ailleurs, cette église qui est venue de Likasi, c'est le père spirituel de Maman Benita. Et il a pris la résolution. Il travaille à fond, à Tenke Fungurume. Il a pris la résolution d'adhérer. Les gens suivent. Quand je parle avec les pasteurs de Lumbashi, de la bergerie, ils sont fiers de moi. Ils disent, papa, partout, on nous respecte. On trouve les gens en train de suivre. Et quand ils arrivent, ils disent, mais voyez le pasteur Olivier, c'est un pasteur carré, hein? Il n'est pas un pasteur qui offre des occasions de la bêtise. Non, c'est un pasteur carré, un pasteur de logique. Mais il m'a fait au moins rire. J'ai dit, ah ben, la première fois, il m'a fait rire. Il dit, papa, partout on va, oh, tu nous valorises, tu vas là-bas, on est en train de te suivre. Il dit, c'est mon pasteur. Je vais là-bas, c'est mon pasteur. Je vais là-bas, c'est mon pasteur. Peuple de Dieu, ceux-là qui sont en train de me soutenir, soutenez-moi. Allons-y
jusqu'au bout. Nous avons une promesse politique. Quand Dieu dit « Demain, tu seras gouverneur », c'est la promesse biblique. Hein? C'est quelle promesse? Ceux qui cherchent à devenir des députés, mais ils sont ici. Vous voulez entrer dans quelque chose? En politique, non? Et vous voulez entrer là-bas, vous ne connaissez rien. Mais vous devez connaître certaines matières. Voyez, ce livre du début à la fin, ceux-là qui l'ont suivi, c'est un livre qui retrace comment fonctionne un gouvernement. Il faut suivre la prédication. Tous les intellos, les vrais intellos m'appuient à 2000%. Il faut entrer dans cette logique-là, peuple de Dieu. Vous comprenez, vous, de la bergerie de Dieu, terre promise, et ce serait la meilleure des choses. Il ne faut pas quelqu'un qui t'appelle à côté, un haineux. Non, regarde ton pasteur, il n'est même pas. Tout d'abord, il ne prie pas avec moi. Non, c'est que votre pasteur dit, on avait tué le cousin. Si on m'a tué, son problème c'est lequel? Il a la compassion de moi parce qu'on va me tuer. N'écoutez pas les haineux. Vous savez, moi, à côté de mon pasteur, pasteur Kazadi, j'étais très stratège et très souple. Stratège et très souple. Soyez stratège et très souple. Il faut savoir m'accompagner. Moïse, quand il était à la tête, même les anciens qui étaient avec Moïse ne comprenaient pas la vision. Moïse n'a pas lâché tout ce que Dieu lui aurait dit. Aaron, c'est Moïse qui lui donnait. Il était prophète, pas du fait de parler directement avec Dieu. Il était prophète du fait de recevoir de Moïse les injonctions. Un bon prophète ne va jamais à l'encontre des enseignements de son père spirituel. Quand tu vois une prophétie de mascarade qui n'a rien des enseignements, c'est la fausse prophétie. La prophétie fait partie de ce qu'on appelle les dons oraux ou dons des missions. Le socle de toute prophétie, c'est la parole reçue. Il y a la différence avec le prophétisme de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament travaillaient avec une particularité. Celui-ci, c'est le prophète de la justice, comme Amos. Celui-ci, c'est le prophète de l'amour, comme Osée. Et tu vas vivre la chose comme Osée, l'amour. Et sa femme était pute. Sa femme a fait des enfants avec d'autres gens. Dieu dit, toi, je t'ai fait prophète d'amour. Aime cette femme. Sa femme, on la trouve en plein marché, en train de faire l'adultère. On vient dire à Osée, ta femme, on l'a trouvée. Osée a dit, c'est ma femme. Je suis le prophète d'amour. Mon rôle, c'est celui d'aimer tout le monde. Alors, quand tu prends Jérémie, il est le prophète de lamentation, de la souffrance. Et Jérémie, il a vécu la souffrance dans la chair, dans le sang. Il a même dit, pourquoi la souffrance est-elle continuelle? Amos, prophète de la justice, tout devrait être droit pour Amos. Il faut la justice, l'équilibre dans la société. Savoir faire une justice sociale, justice financière, justice de partage, c'était ça Amos. Ésaïe, il était le prophète de la colère sainte et de l'attente messianique. Autrement dit, tout le monde, Malachie était prophète et sacrificateur de la promesse de Jean-Baptiste qui doit venir, aussi de l'attention particulière aux offrandes. Autrement dit, chaque prophète avait une particularité. Mais quand Jésus vient, il vient avec la sommation prophétique. Il vient avec quelle prophétie? La prophétie royale. C'est la prophétie politique. Que nous sommes des rois. Qui est le roi? C'est lui qui gouverne. C'est lui qui dirige. Parce qu'on a fait de David roi, l'onction royale.
Maintenant, quand Jésus vient, il vient avec l'onction royale. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit nous sommes des Christ, c'est-à-dire, on dit quoi? Chercher premièrement quoi? Pour qu'on soit qui? Et alors? Est-ce que vous comprenez ça? Chercher le royaume, ça ne voudra pas dire étudier les anges, étudier les étoiles. Non. C'est se comporter en roi. Parce que Dieu, il est le roi des rois. D'où l'onction des chefs. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on dit vous serez la tête et non la queue, c'est l'onction de quoi? La royauté. La principauté, la royauté. Est-ce que vous comprenez ces choses? Attention avec l'enseignement de la basse classe catholique, je m'excuse, qu'on nous a largué en Afrique pour nous appauvrir, croyant qu'un serviteur, il doit marcher comme ça, c'est un fainéant, il doit être pauvre. Non! Jésus est mort si tôt, nous, nous allons mettre longtemps sur la terre. Jésus est mort sans femme, nous, nous devons avoir la femme. Jésus est mort sans maison. Nous, on doit en avoir. Voilà pourquoi chercher premièrement le royaume. Le kaoudja. Kaoudja. En hébreu. Pour que nous puissions diriger. Soyez la tête et non la queue. Mais ma foi. Ma foi. On fait de toi un administrateur. Tout le monde veut être chef. Vous savez, être PDG dans une société, c'est un poste hautement politique. C'est hautement politique. Et quand on est un PDG, on ne connaît pas la constitution de son pays, ma foi. On ne connaît pas les lois de son pays. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous savez, quand nous sommes descendus à l'état-major la fois passée, pas je connais la loi. Allons-y. Il y a ceux qui tremblaient. Il y a ceux qui disaient, non, 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 c'est pas bon. Non, je connais la loi. Qui oriente la politique d'un pays? C'est le pasteur, c'est Dieu. Partout dans le monde, le changement, le basculement, c'est avec des hommes de Dieu. Notre modèle, c'est Jésus. Il a tout chamboulé, il a tout basculé. Qu'on ne te trompe pas que quand tu pries, tu es quelqu'un. Non, dans l'entretemps, vous priez, dans l'entretemps, vous allez, vous voulez devenir des députés. Vous voulez devenir des syndicalistes? Non, ce sont des postes politiques. Un syndicaliste, il a un poste hautement politique avec certains contours stratégiques. Si vous voulez vous faire des grands, il y a ce qu'il faut connaître. Parce que quand tu es syndicaliste, tu es là pour protéger la société. Mais tu dois connaître le droit civil, tu dois connaître le droit du travail. Il y a des choses ipso facto qu'on doit connaître pour défendre quand on est syndicaliste. Dans cette église, beaucoup font ça. Et il faut. À un moment donné, Madame Myriam est la première syndicaliste dans cette église. J'ai eu à s'asseoir avec elle, à faire une petite formation en management avec une certaine notion. Et elle a fait un bon travail, cette dame. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il y a certaines choses qu'on doit connaître. Pour jouer au synthé, jouer, travailler à l'ordinateur, il faut avoir le Saint-Esprit. Il y a des préalables dans chaque chose. C'est ce que moi je suis en train de faire avec vous. Vous comprenez? Quand on ne vous trompe pas, non, quand on croit au Seigneur. Pourquoi on dit le Seigneur, le maître? Jésus, il est le maître. Rabouni, c'est-à-dire il a la maîtrise de l'humanité. Il connaît tout le contour. Voilà pourquoi Jésus connaissait la loi. Il connaissait le droit. C'est pourquoi il a évoqué le principe. Qu'est-ce qui est écrit dans leur droit? À César, c'est qu'à César, à Dieu, c'est... Il n'a fait que répéter l'article. Ce n'est pas quelque chose qui nous incombe. Alors, ceux-là qui ont écrit la Bible,
Si vous remontez à l'histoire du droit, ils se sont dit, on ne peut pas tout donner. On n'a pas fait la Bible pour l'Européen. On a fait la Bible pour masquer l'homme noir. Et on te dit, qui a découvert l'Afrique? L'Afrique a existé avec Dieu. On dit, le Congo a commencé en 1960. Et notre constitution reprend, le Congo a commencé en 1960. Et ceux-là qui ont existé avant, c'était des animaux. Le Congo, c'était un pays structuré, organisé avec Dieu. L'homme blanc est venu détruire le Congo en créant des structures de division. La tour de Babel, on l'a appliquée au Congo par l'homme blanc. En 1885, l'homme blanc a dit, créons la tour de Babel au Congo. Et voilà pourquoi vous verrez les tribus s'entre-déchirent. Au début, on parlait de combien de tribus, de combien d'empires dans ce pays. Vous de la bergerie, soyez consciencieux. Voyez Tshisekedi, il monte au pouvoir. Combien sont morts de la famille propre de Tshisekedi? Ce sont les gens qui disaient chaque fois, papa Étienne abandonne le pouvoir. Les acheter. On les achète par Mobutu. On les achète par Mouzé. On les achète par Kabila. Ils collaborent avec Mouzé, Mobutu, Kabila. Les membres propres de la famille de Tshisekedi. Les cousins, les neveux, les tantes, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, Félix, au pouvoir, qui est resté fidèle à son père. Et qu'est-ce qui se passe? Il est en train de jouir. Quand la promesse est dans la famille, elle reste. Elle reste dans la famille. Tshisekedi est devenu président de la République. Qui sont les premiers qui étaient décédés? Les oncles de Tshisekedi. Dieu a dit, vous, vous étiez des gourmands. Vous, vous avez mangé partout. Allez, on a ouvert la bouche de la terre, on les a engloutis. C'est comme ça que Dieu a toujours fait. Le meilleur tant de bonheur, Dieu dit, celui-ci t'a assez combattu. Il mange la mangue et il meurt. D'où il faut savoir soutenir les gens qui ont l'avenir juteux. Pour que ce jour-là, tu ne meurs pas. Je dois vous dire la vérité. C'est arrivé dans la famille de Mouzé. Vous savez que Mouzé n'avait que Kabila, n'avait que Zoé, n'avait que la dada Jeannette. Non, Mouzé avait beaucoup d'enfants. J'ai déjà eu à recevoir à l'hôtel la fille de Mouzé. Mais les trois étaient attachés à la politique de Mouzé. Les autres travaillaient vraiment avec Mobutu. C'est ça la vérité. Maintenant, quand Mouzé arrive au pouvoir, il a approché Joseph, il a approché Jeannette, il a approché Zoé. Mais Mouzé ne nous a jamais présenté sa femme. On lui pose la question, où est la première dame? Mouzé a dit ceci, vous allez encore me poser où est la deuxième et la troisième. Pour leur dire, j'en ai fait avec beaucoup de femmes. Moïse a fait beaucoup d'enfants. Il n'y a pas que les trois qu'on nous a montrés. Même Joseph, il sait que Moïse a des enfants. Mais Joseph était à côté. Moi, j'ai vu pour la première fois Joseph. C'était chez le directeur de l'OCC Choluy. En train de gymer. En train de gymer, peuple de Dieu. Il ne savait même pas qu'il sera président de la République un jour. C'est un jeune à côté de Mouzé. Joseph a soutenu Mouzé plus que tous les Katangais. Vous savez que quand Mouzé il entrait, montrez-moi les Katangais qui soutenaient Mouzé. C'était du temps de quel gouverneur? Kyungo Kumanza.
Qu'on a commencé à dire quoi? Il a arrêté le général Matata. Au niveau de Kilimansimba et sa cohorte. Moussa, il est entré par où? Par le Kasaï. Les gens qui nous racontent aujourd'hui l'histoire sur Moussa, Tchik et Tchak, mais ce sont des marionnettes. On l'a refusé ici. Je tiens ça de colonel Tchonga. Je le cite. J'ai prié pour lui. Celui qui était allé me présenter chez Pasteur Verneau, colonel Tchonga, ensemble avec Onya Ababa, aujourd'hui avocat. J'aimerais que l'église soit une église des gens consciencieux. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous cherchons? Vous devez connaître quelle est la prophétie, quelle est la promesse de cette église et de votre pasteur. Nous sommes dedans. Nous sommes dedans. Nous voulons être qui? Celui qui refuse la politique, un jour ne tente même pas à devenir candidat député. Celui qui refuse la politique, un jour ne sera même pas candidat syndicaliste. Ce sont des structures hautement politiques. Quand bien même un syndicaliste, il est dans la société civile, c'est mascarade. Je vais parler de ça dans la Constitution. Pour montrer les insuffisances de notre Constitution. Ce sont des postes politiques. Bien que société civile. Tu veux devenir numéro un d'une structure. Je donne un exemple. Tu rêves devenir administrateur. Tu rêves devenir là où tu travailles, PDG, ADG. Mais DAF, ce sont des postes hautement politiques. Hautement politiques. Cessez cette tradition traditionnaliste, patentée, gauchiste, de penser que la politique c'est pour... Non, c'est l'art de gouverner, peuple de Dieu. J'ai appris ce concept avec un grand professeur, Mulumbati Ngacha, sur l'introduction à la science politique. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Qu'il vous bénisse davantage. Je voulais quand même élever un peu, parce que je vois maman Clémentine, elle garde son cap. Et je pourrais dire, elle a une bonne femme, ancien Mumbai. C'est la meilleure femme. Vous voyez, non. Un meilleur mari. Hein, c'est un meilleur mari. Un autre, elle dit, si vous n'êtes pas Baba Yango, Baba Yango, Pasteur Wango. Tu m'as bien dit, Marie, ça, oui. Oui, et tout, vu mon sur la courée. Ah, Marie, je n'ai pas. Au Talamoucha Bibi, 2h du matin, Dieu a dit, nous n'avons pas de Baba Yango, ni Baba Yango. Il faut quand même féliciter Mwambaye. Est-ce qu'on peut acclamer pour ancien Mwambaye? Je voulais faire mention de ça pour vous pousser à jouer la partition. Qui l'a montré à jouer partition Yak. Un jour, mon gonin s'est dit, Mr. Mouitako a créé hymne national. Alléluia. Vous ne savez pas les gens qui courent derrière moi. Vous ne savez pas. Il y a des gens qui ont déjà fait même leur gouvernement. Hein? Il y a déjà un premier ministre. Ils ont déjà fait le gouvernement. Ils s'asseyent. C'est moi, je serai tel. Moi, je serai tel. Et c'est moi, ah, papa, au lieu qu'on monte ensemble. Je pense à Billy Mouna, je suis là, 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 la haine, je suis je suis né ici au Katanga, je suis né à Kambov, je sais de quoi je parle. On n'aime pas quelqu'un qui émerge.
On n'aime pas quelqu'un. Quand on a fait un mariage, je vais m'inviter à mon cortège. Quand on a fait un cortège, il y a les gens même qui vous suivent. Cortège génuil, Yves naïf, naïf, tout ça, tout ça. Les faibles pourront même dire, hein? Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus avait toujours le cortège. Il est matin, Jésus, quand on a un motocar, je peux le mungo, je peux motocar, je peux un cheval, mais ça est entré triomphal. C'était quel cortège? Jésus a retiré Kutembea Chini sur l'anneau. Qui signifie l'anneau c'est toi, l'anneau c'est moi. Il est marché sur moi, il est marché sur toi. Que Dieu vous bénisse. Soyons honnêtes dans ce que nous faisons. Apana Biakushikia Shikia. Vous comprenez? Dunia Nyabantu Babaya. Moi j'avais compris à côté de mon pasteur. C'est pourquoi Mr. Kwa tribaliste. Les propres frères de mon pasteur. Parce qu'il connaît. Bandouya qui a pasteur. Mon pasteur. Eh, maman, toi. Où parle? Je connais bien. Elle est là, maman, toi. Bandouya qui est propre à pasteur. Ce sont tous les bras hommes, comment dit? Pasteur Kazadi, c'était le pasteur le tout puissant à Kambov. Après, c'était Tata. Balé Badeu, par quoi? Incontournable. Joe Badeu, par quoi? On a onction. Après, pasteur Kassongosea est arrivé. C'est comme ça. L'onction était ici à Kambov. Mais par quoi? On a insuffisance. Beauté 3. Bon, ma domaine X, domaine Y. Voilà pourquoi tu as dit toi. Prends la place de ton père. Avec les capacités, mais n'accoupa. Avance. Quand j'étais à côté de mon pasteur, tous les pasteurs me suivaient. Je dis bien tous les pasteurs. Beauté. Maman, toi es là. Beauté barani fouata. Non, moi tu es pasteur. Quoi nami? Ou t'as quoi numéro 2? Au moins tu t'as quoi numéro 2? Non, c'est homme déjà numéro 1. Bien que Ekomojima. À chaque fois, il y a numéro 1. Aujourd'hui, je suis mais je lui dis autoproclamé numéro 1. Lui-même, il m'a élevé numéro 1. Mais tous les pasteurs me suivaient. On voulait humilier mon pasteur. Il y avait une grande rencontre à Kambov. Moi, j'irai prêcher là-bas. Mais on dit, mon pasteur ne va pas prêcher. Il y avait une maman prophétesse, maman... Moulunda, quelque chose, c'est quoi là? Hein? À Pacha Kouyak, on m'a aligné, moi, je vais prêcher. Mais mon pasteur, à Tekala Mouban, j'ai dit ceci, non. Papa, on veut me diviser, moi et toi. Mini Pande, ou Bakepal. Kouchechev God, on m'a élevé comme administrateur de la conférence. J'ai dit à mon papa, papa, on vient de m'élever comme administrateur. On a ces manines, mais n'a qu'autorisé. Il m'a dit, comment on a mis une pite, mon tandik abile ou tandik abile. Pita baba koule, ou kandik et bien kandik kandik. Hein? Mais tandik ta 5 phrases. Voyez-vous, il était honnête. Non, il était honnête devant moi. Mon pasteur. J'aimerais être honnête pour vous exhorter. Nous sommes dans un bon virage. Là où nous devons être très unis, très soudés, en se positionnant pour un lendemain meilleur. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. L'unanimité n'existe pas. Vous savez, même demain, si je mettais ma candidature, où mon canis a coupé, ah ben ça il votait. Je vous connais. Je vous connais. Foulagne a sa voté. Foulagne a sa voté. Alors, moi, je ne veux pas être là pour plaire à quelqu'un. Je me soumets à Dieu. Ce que Dieu dit, il faut attendre son temps. En faisant quoi, peuple de Dieu? Une promesse a ses ramifications. Et Dieu
peut briser la promesse à cause de la famille. Je donne un exemple. Dieu te regarde. Il dit, j'ai bien, il veut t'élever. Il doit regarder aussi comment est ta famille. Comment tu seras face à ta famille et ton élévation. Dieu dira à celui-ci, si je lui donne beaucoup d'argent, yo tite n'a pas qu'une famille, aïssa ça dit à population. À cause de ta famille, aousta pandak. C'est comme ça Dieu élève les gens. Quand Dieu veut te donner l'argent, il dit, l'argent je lui donne, c'est pas parce qu'il dépasse tout le monde, non. Derrière lui, il y a beaucoup de gens. Mais quand Dieu te donne l'argent, il voit comment tu utilises l'argent. Il t'étudie. Il viendra un temps, il dira, non, c'est fini. Dieu nous accorde toujours le temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Una balo makuta. En angara kukanisa makuta akonenda kangapi. Il viendra un temps, il va mettre fin et tu n'auras plus rien. C'est ainsi que Munga Nangaka, ou Kabana mort, quoi bon ministre, ça sera comment? Maman qui a ta kibia, quoi qui a nenda kakala comme totoak. Oui, oui. Dieu voit tout ça. Banamo a Priska, Kadima, quoi premier ministre. Darosi a nama, il n'y a pas quoi Priska, Chukotanam Kimia Benoît. Et Dieu regarde tout ça. Les comportements, mon élévation, biote bikwamo. Mon gars, c'est ah oui, c'est pas ta mariage. Pas ta mariage, ça c'est maman qui a ta lalabika. Wango ya wimuranza kusemak. Mon gars, on a bloqué. Dieu veut comporter moi ba maman, comporter moi ba papa, il débloque situation. Quelqu'un comprend ça? J'avais dit à une maman, chaque fois tout ce que tu fais c'est pas bon. Puisque ton frère est ministre, tu vas déranger sa femme. Ni mon quoi? Mais Dieu ne me répond pas à ma somme. Des fois il y a qui bon ministre et votre amour. J'avais dit à une maman comme ça. À qui est le quoi ministre? À qui respecter Bible ministre? Bible fait au fond de mon cœur. Mais je ne me répète pas ma somme. Je vais dire à la maman que ce soit la première et la dernière fois. Banamouzia, Bible ministre motoka, n'ami n'ujé pas sa motoka yak. Peu après, bon ministre bonaïche. La maman est venue me voir. Papa m'a l'ombre, pardon. Oh les mamans, je suis dans ma capacité à tourner ma gauche ce jour-là. Elle est allée à genoux. Papa m'a l'ombre, pardon. Mais dans ma vie, c'est Kajin Dukuyang. Tous ces contours comptent pour la gloire de Dieu. C'est une exhortation. C'est la 26e année. La 26e année, nous devons faire attention, peuple de Dieu. Nous devons faire attention. La qualification, la disqualification. Nous devons faire attention. Je n'ai pas besoin des hypocrites. Jésus a fait un bon travail avec 11 personnes d'ailleurs. Et les femmes de différence qui suivaient Jésus. Aucun homme a fait élever Jésus. Qui a fait élever Jésus? Montrez-moi. C'est Marie de Magdala, la femme de différence. Elle vient, elle parle aux paresseux là. Il est déjà ressuscité. Hein? Pas choc ou non, mai. Pas choc brossé mon. La femme de différence. La femme de différence a pris le parfum. Elle l'a mis sur Jésus. Pourquoi? Elle dit c'est celui-ci le Christ. Le parfum voudrait dire l'onction. C'est lui qui a l'onction plus que nous tous. Personne ne peut l'égaler. Elle n'a pas cherché les humains. Elle a pris ses cheveux. Elle a essuyé les pieds. Le cheveu, c'est le mystère d'une femme. Le voile d'une femme. L'autorité d'une femme. La responsabilité d'une femme. Elle a dit, ma responsabilité, je la mets au pied de cet homme. Mon autorité, au pied de cet homme. Si nous comprenons certaines choses, peuple de Dieu, cette église, les prophéties frisent de partout. Et c'est la même prophétie. N'importe qui, il te voit aujourd'hui, il donne la prophétie. La même prophétie partout. Même message partout. Moi, je n'étais pas encore à l'église. Tchèvgot avait mon pasteur.
mon pasteur avait envoyé Dame José. Dame José est venue me voir. Ah, pasteur Wango, on a un message, mon accord. Il y a bien ça. Et après, le message a dit, en expliqué. Qu'on a pita plus tard qu'en 2 ans, en tout cas, il y a quoi et tout. J'ai dit, maman, mon petit magie, bah, oui, à couler la chaye, bientôt dans ces matins. J'ai dit, maman, ton Dieu, te fagnac. Je t'en prends ma charcuterie, ma jiba, à la cour à bile biote bile, comme une chône à sema, on a langue à kéa, la sonique, à la tout piqué au col et tout. Ou qui j'en a ou, à ten d'ambar, à ta comme ton mission, c'est, baba, de ma mère, papa de mise, c'est encore long serviteur. Je demande pardon à Dieu, et c'est ce que je suis devenu aujourd'hui. Dans l'église, quand Dieu envoie quelqu'un, il y a l'ADN spirituel, il y a l'ADN biologique. Dans la typologie en matière des choses de Dieu. Quand Dieu t'envoie ici chez moi, il regarde ton ADN, ce n'est plus l'ADN de ton père, c'est l'ADN spirituel. D'où, tout ce qui se trouve dans moi, c'est ce qu'il y a dans toi. C'est comme ça Dieu planifie et c'est comme ça Dieu envoie les fidèles. Va, ton ADN, c'est l'ADN de cet homme-là. Et tu seras le fidèle de cet homme-là pour naître de nouveau. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, comment on a ADN et angle, mais on a fait bien tout bien spirituellement. Tu vas te compliquer toi-même la vie. À part que sous-estimer mission. Moi, je n'ai jamais aimé les gens. Tu veux faire quelque chose pour décourager comme tout le monde a bien ça. Ah bah si bien découragé. Moi, on m'a découragé par combien de gens. Par couyenga ika isali. Par coupé bahou terrain. On m'a découragé. M'a coûté quoi? Isal a une ma mesure que moi j'avais donnée. J'ai donné des mesures plus que ça. On a écouté. Je vois loin, peuple de Dieu. On embarque, tu es mon fils spirituel. Tu as une grande mission. Vous savez, même celui qui est en Europe que j'encadre, il a mon ADN spirituel. Voilà pourquoi on parle du corps de Christ. Le corps de Christ, pourquoi? Parce qu'il y a les membres de proue et les faisant partie du membre. Si dans le monde, je ne vais pas citer ce que nous sommes, je cache, toi tu fais partie de la partie. Quand on dit la main, mais il y a beaucoup de choses, il y a les os là-dedans, il y a le cartilage, il y a les artères, il y a les nerfs, il y a les veines, il y a les muscles, ainsi de suite. D'où dans la main, tu es peut-être muscle. Dans la main, tu es peut-être veine. Dans la main, tu es peut-être phalange ou je ne sais pas. C'est-à-dire, tu joues un rôle prépondérant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? À part la couverture, le renseignement. Non, on en a papa, Yves Naïvi, bande nationale. Non, parce que nous n'avons pas de politique, ça, non. N'avons pas de mécanique. Ningé mon mécanique. Nyanzu kanda china miotoka. Voilà mon été miotoka. Passé il botoka kona mam. Ni voilà comme une zone ningé china miotoka. Jou ni chingé mon politique. Ni gengé wapi mon mécanique. Ou bien mon yon ami nabe guidar. Ça va passer. Begin bacha mon levé guidar. Passé rire après guidar. Nami ni pi guidar. Je n'aurai pas le temps d'apprendre comment jouer au drum. Tout ça, tout ça. Mettez-vous en ordre avec Dieu. C'est s'aligner derrière celui que Dieu vous a donné. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous comprenez ces choses, acclame pour vous-même et cela pour la gloire de Dieu. Cette mise au point a son pesant d'or. Je ne veux pas avoir des hypocrites. Je ne veux pas avoir des hypocrites. J'aimerais encourager ceux-là qui envoient des petits messages par-ci, par-là.
Tu prends, tu coupes, tu envoies, tu prends, tu coupes, tu envoies. À un moment donné, il y a ceux-là qui avaient pitié de moi. C'est la fausse pitié. Que mon atoma, tout moi, il est un membre. Quoi, pasteur, déjà, il n'est quoi? Ni membre, ni on a. Déjà, il est membre. Et fait, pasteur, c'est pas quelqu'un qui a peur. Non. C'est pas quelqu'un qui a peur. Il faut savoir dire la vérité. Vous savez, la plupart des pasteurs, ils disent quoi? Tu n'as pas ta remonte en tout semaine. Tu n'as pas ta montre tout seulement, il a le courage. Bergerie, tel père, tel fils, suivez la voie de votre père spirituel. Soyons forts. C'est Dieu qui m'a appelé. Il connaît mes limites. Il a quelle connaissance, je l'appelle. Il a appelé tel pasteur, il a quelle connaissance, on l'appelle. C'est-à-dire, dans l'ADN, il y a un tout cohérent. La Bible a été écrite sur une décision politique. La vraie Bible, elle est à la banque, à la papauté. Celle-ci avait beaucoup de tare. Les blancs se disaient, ces gens ne vont pas comprendre. Mais quand nous interprétons, ils se disent, mais ces gens, ils ont quel génie. Nous touchons même à ce qu'ils ont caché. La lettre de Julius Lutentelius. C'est caché à la papauté, à la banque. Pour l'Église catholique, il faut abrutir l'Africain, l'homme noir. Fais de lui un mendiant. Quelqu'un sans connaissance, il ne peut pas s'opposer. Il ne peut pas faire la pression au chef, au gouvernement. Non! Nous avons le droit légal de faire la pression. Nous sommes un groupe de pression. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est injurier. Nous ne pouvons pas injurier le peuple de Dieu. Il est temps de comprendre ses contours. C'est lui qui veut réussir avec moi. Il y a toujours quelqu'un qui a l'onction. Il y a toujours quelqu'un qui a la promesse. Les bénéficiaires de la promesse, ce sont les gens qui s'attachent à lui. Tout ce que mon pasteur me disait, parce qu'il est le témoin, la maman, tout, ma grande soeur, il le disait, mon mouchiki au monde, balé wota wa sa mouchiki ya, abasé nambar. Village chibo de Torah ou Church of God. Church of God, peuple de Dieu. Ville trois, ma pasteur, ma serviteur. Mais la plupart, si je t'en ai émergé, si je t'en ai émergé, la bergerie. Mais si vous allez à Lumbashi, vous regardez l'église Church of God, mais il n'y a pas match, il n'y a pas photo. D'ailleurs, cette église-là, c'est encore quoi l'église de Pasteur Kabir? Pardon? Muret des Faux, c'est moi et Pasteur Eli. On a implanté Muret de Feu. Et comment on a implanté? Les gens qui venaient nous voir chez lui. Alors, le superintendant dira, oh, est-ce qu'on ne peut pas commencer quelque chose ici chez toi? J'ai dit, oui, on peut commencer quelque chose chez toi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais je peux exhorter, oui. Mais je peux exhorter, oui. Je vois, j'ai les oreilles, je sais calculer moi aussi. Il visionne, il visionne moi bien ça, oui, bambé. J'ai toujours dit, il faut un jour, ami, il ne faut pas que je sois égoïste. Mes pasteurs n'étaient pas les égoïstes. Je dois aussi doiter quelqu'un un jour. Là, c'est ni couillé pour ni chicouillé pour. Yé ouïe. Mais je suis comme au Koumoukanis, comme à Ebalokouyaka, comme à Ekoamo déjà, où les naïs t'a doité. Il faut moutoumichi à koudoité. Comme à la koudoité, c'est fini. On a doité Josué. Moïse a la mouchangé Nanjina. Tu deviens Josué. Et c'est lui qui est entré dans la terre promise.
Il faut que je te doive. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Qu'il te bénisse davantage. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je voulais vous exhorter, comme nous sommes déjà à la fin de l'année, pour que nous puissions prendre le tout au sérieux. Nous devons prendre le tout au sérieux, et cela pour la gloire de Dieu. Qui baille, tout qui cadale. Mais tout ce qu'il y a de bon, faisons prospérer, et cela pour la gloire de Dieu. On a connu un bien mungu. Bien mungu, on a dit, mais il est à. On a vu ton prière. Mungu Baba. On a caché déjà ton affaire. Je suis tout bas caché. Mungu. Un box, biote, majido. C'est ça. Je suis pas antégotiste. Mais Baba Mungu. On a eu un zaman. On a eu la moukia. Il est tout un one. On a chauffé la chemise. On a caché. Paf, on a passé. On a passé. Bon, Yesu. Baba Seba. Baba Twende, Baba Jokanisa, pour montrer que tu es humble, et cela pour la gloire de Dieu. Je veux lire quelque chose. Le thème de l'année 2024, on l'a soutiré dans Ézéchiel chapitre 36, 3 à 8. Cette année, Dieu nous a donné tout le livre d'Ézéchiel. Mais dans sa sagesse, son intelligence, son orientation, il a voulu que le thème de l'année, que nous puissions le soutirer dans le livre d'Ézéchiel 36, du 3e au 8e verset. Un jour, Dieu peut encore nous retourner ce livre, mais cette fois-ci, il pourra dire, le thème, on peut le soutirer, peut-être dans le chapitre 2, pourquoi pas dans le chapitre 48. Voyez comment est-ce qu'on a fini avec le dernier verset de chapitre 48. L'Éternel est ici. C'est pour dire, ce n'est pas une blague, nous avons fini le livre et au final, l'Éternel est ici. Je ne peux pas lire tous les 5 versets, mais je veux m'apesantir sur à partir du 5e. Et je vais descendre. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, oui, dans le feu de ma jalousie. Je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier qui se sont donné mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme afin d'empiller les produits. Ici, on parle des nations, on parle de l'Église. Hein? C'est pas politique. Hein? Il y a toujours quelqu'un qui m'a toujours posé une question. Mais comment toi, tu comprends jusque dans les détails certaines choses? Est-ce qu'ici, on dit Église? Israël, de l'Égypte au désert vers la terre promise. On en dit de l'église de l'Égypte, de l'église de la terre promise et de l'église d'Israël. De l'Égypte, nation, pays. Ils vont dans le désert pour le full contact, pour battre Akumasu et prendre un pays, une nation, la terre promise. Si je m'ongoule, tout ma bantou. Ben baka bébé, anatoma ba prophète, anatoma banani, ba conquérir, ba bébé mukini. Après c'est ba bébé kanisa. Mais ba quoi na temple portatif, il est baneta tabernacle, il se déplaçait avec. Notre sous-thème, notre thème de l'année, j'aimerais marteler là-dessus. Je reprends ainsi par le 5e verset. Hein? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie. Jalousie de qui? De Dieu. Pourquoi? Parce que
On a envahi le pays de ses enfants. Je parle contre les autres nations. Dieu n'a pas dit je parle contre les autres églises ou je parle contre les autres Bibles. Nation, ma pays Guinée, et contre Édom tout entier. Édom, c'est le pays issu du jumeau de Jacob, Ésaü. C'est de Ésaü est sorti Édom, les Édomites. Moi, il est Moukini. Faites attention. Nima, moi, Mamikini. Qui se sont donné mon pays en propriété. Dieu n'a pas dit mon église en propriété. Mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur. Et le mépris de leur âme afin d'empiller les produits. C'est ce qu'Agam fait. C'est pourquoi, sixième verset, prophétise sur le pays. Est-ce qu'on a dit prophétise sur l'église? Prophétise sur le pays d'Israël. Dis aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur parce que vous portez l'ignominie des nations. Septième, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Ce sont les églises qui nous entourent. Ni pas apostolo, ni pas kimangis, ni pas 30e. Les nations. La nation dès lors, elle respire. Les églises vont bien prier sans problème. Il y aura les offrandes, il y aura les dîmes, il y aura la prière, il y aura tout. Moi qui nous invite à panari pas ma dîme. Ça devient compliqué par moment, peuple de Dieu. Notre thème de l'année, année de victoire de la RDC face au Rwanda et ses mentors, c'est un thème politique. Hein? C'est un thème politique. Votre pasteur, il est trop politicien. Voulez-vous que je sois trop mécanicien? Trop électricien? Dermino, ma moto, pas les chaque fois, moi, mon nez. Oh, mais toi, Ming, ça. Mais quand on est politicien, je suis un électricien, il y a pas. Ce sont les gens qui sont jaloux, qui voient que nous touchons à la vraie dimension et l'église est en train de partir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ça, il faut bambia. Monsieur Bambia, c'est pourquoi conseil bango. Qui les a engagés pour nous conseiller? J'ai le Saint-Esprit qui est mon véritable conseiller. Oh, pasteur, oui, nous. Batako comme moi, boule. Mais pas les mérites de corrompre, car en prison, barro, wapibo. Je suis ma bondou qui roule. Diongo pas. Dis, il y a une demi qui a fait remise et reprise. Bani bébé, mi, ba mou libéré. Glo. Bou, barro, wapibo, le ventre, bal. Quel est ce pasteur qui peut faire ça? J'accepte. Qu'on m'arrête moi, qu'on libère mon fidèle. Il n'a même pas un vélo, hein? Il n'a même pas une brouette, même un cerceau. Je me suis battu pour lui, peuple de Dieu. Ouvrez les yeux, bergerie. Il ne faut pas voir des amis de la médiocrité. Il faut savoir avec qui marcher. Tu regardes la personne avec laquelle tu marches est médiocre. Il va te contaminer sa médiocrité. Moi, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune.
nous sommes dans le bon. Sur base du thème de l'année, année de victoire de la RDC face au Rwanda et ses mentors. Dès lors, il y a la victoire. Maintenant, tu te tapes moi. Le premier moi, sur le plan spirituel, je gagne. Le deuxième moi, c'est ton âme, tu gagnes. Le troisième moi, c'est le corps qui gagne. Vous voyez, tout est bien calculé par le Saint-Esprit. Moi, 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 je jouirai pour triompher de tes ennemis. Jouir de la prospérité. Il faut que le pays recouvre sa liberté. Maintenant, un message comme celui-ci. Dieu m'inspire, il dit, voilà, parle sur la constitution. D'ailleurs, si diacre ancien président, lui, il est tout. Il faut que Dieu commence à te payer partout avec tout ce que tu as. Hein? Avec la constitution, j'ai commencé avec toi. Il y a longtemps, depuis j'ai dit déjà, on a fait beaucoup de séances sur la constitution. Je n'ai pas commencé maintenant. Il est là, le diacre Gauthier. J'ai fait avec lui des émissions et émissions qui passaient par la radio Tchédidia. Et je parlais déjà de la constitution. C'était du temps de Kabila. Je disais, il faut qu'on change la constitution depuis le temps de Kabila. Je n'ai pas commencé ça maintenant. Pour donner les béquilles à celui que toi tu n'aimes pas. Ce n'est pas ça ma démarche. Vous savez, dans la vie, hein, dans tout ce que je fais, je me contrôle. Je dis, tout le monde ne me voit pas, mais Dieu me voit. Si je fais des choses pour tel, je me cramponne pour tel, qu'est-ce que je vais gagner? Mais je sensibilise même les enseignants, même les professeurs, même les étudiants. Ils sont dans la joie. Ils disent, ah, celui-ci au moins, il est neutre. Je fais ce qu'on appelle le droit comparé. Je prends tous les documents et je les montre. Et j'explique comment est-ce qu'on fait une constitution. Notre constitution, on l'a fait pas sur base des principes sacro-saints. Non. On les a fait sur une exception de vendre le pays. On le fait sur l'exception de vendre le pays. C'est ça la constitution. Moi j'ai eu à parler avec Monsieur Swing, qui était le numéro un peuple des dieux sur la constitution. Je vais avec ma constitution, je parle avec Swing, qui était le numéro un de la MONUSCO. J'avais fait une prophétie, il y aura un vent qui va ravager l'Europe, vous allez voir. Quand la chose était arrivée, mais j'étais sollicité. L'ambassadeur de la France m'avait saisi. J'étais invité à l'ambassade de la France. J'ai parlé et j'ai dit ce qu'il faut faire pour ce pays. J'étais invité à l'ambassade de la Belgique. Je ne suis pas un monsieur là. Tout ce que je dois faire, je dois venir, je crie, je vous parle. Non. Demande au grand frère de David. Il m'accompagne dans beaucoup de choses. Je le salue en passant. Il m'appelle toujours son autorité morale. Il fait partie d'une sécurité rapprochée. Et chaque fois quand je suis à Kin, il est toujours avec moi. Il m'a déjà accompagné quelque part là où on voulait me tuer. Peuple de Dieu, je risque beaucoup dans ce que je fais. C'est pour ta vie demain. Ici, quand nous lisons, Dieu dit expressis verbis ceci, c'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël, dit aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je parle dans ma jalousie. Dieu parle dans sa jalousie. D'où Dieu cette année est jaloux du Congo. Et dans ma fureur, d'où Dieu ne se présente pas comme le Dieu de compassion, il se présente comme le Dieu des armées dans ce pays. Parce que vous vous portez l'ignominie des nations.
Conclusion, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main, ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie. D'où toute la souffrance du Congo, les neuf voisins qui nous entourent, qui sont complices dans la souffrance des Congolais. Il y a les bébés qui vous meurent à l'Est. Une femme enceinte, on coupe sa tête. On l'opère avec la machette. On enlève le bébé. On brûle le bébé. On fait les michopos, on mange. On coupe la cuisse d'une belle fille. On mange la cuisse. On demande à un enfant de coucher avec sa mère. Le père avec sa fille. Peuple de Dieu. Les gens souffrent à l'Est, peuple de Dieu. Les complices, les voisins. Avec tous ces pays. Voyez comment est-ce que la France est devenue. La France est en train de perdre ses pédales. Parce que la France a un président maudit. Macron. C'est le maudit de maudit des présidents. Depuis que la France est France. Les États-Unis, un président maudit, Joe Biden, maudit de maudit. Peuple de Dieu, ces gens qui nous combattent, voulez-vous que nous puissions parler de quoi? Qu'on parle de quoi, peuple de Dieu? Le pays là où Dieu nous a placés. Dieu dit tout le sur lequel la plante de ton pied foulera, je te le donne en héritage et en possession. C'est ça aussi mon héritage. C'est mon pays. Ce n'est pas le pays du président. Ce n'est pas le pays de Kiaboula. C'est mon pays à moi, peuple de Dieu. Je dois le défendre, mordicus, parce que je vis dans ce pays. Il est temps de faire des choses autrement. De réfléchir autrement. Si tu étais dans l'erreur, je viens de t'exhorter, change. Erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Il est temps de changer la donne. Prends la décision. Tu dis, ah, j'étais ignorant, je ne comprenais rien. C'est un livre hautement politique, ça touche les nations. Nous aussi, nous avons un thème hautement politique qui touche la nation, la délivrance du pays impliquerait quoi? Notre manière de vivre paisiblement. Voilà pourquoi il y a trois fois moi, moi, moi. Parce que j'ai l'âme, parce que j'ai le corps, j'ai l'esprit. Moi, mon âme délivrée. Moi, mon esprit rempli, mon corps dans la joie, doux soin, vie, abondance. Ne soyons pas distraits à cause des appétits gloutons, à cause de fanatisme. Je me rappelle, j'avais parlé du temps de Mobutu. J'étais dans la JMPR. Parce que Olinga, Olinga, nous tous, nous étions dans la JMPR, les gens de notre série. Après, je suis entré dans l'UDPS. La JUDPS. À l'UDPS. Chaque fois, nous étions dans des réunions. Mobutu, Mobutu, Mobutu. Je leur disais un jour, le jour Mobutu mourra, tout le monde sera contre nous. Changeons la politique. Nous commençons le tout avec la prière. Sikiama Ombilango, c'était le cantique. Victoire, tu régneras, au croix, tu nous sauveras. C'était le cantique aussi. Mais quand on commence, Mobutu, Mobutu, j'ai dit non. Lui-même, tu sais qu'il disait, je ne combats pas Mobutu, je combats le système Mobutu. Mobutu tombe malade. Il était au Cap Martins. Tshisekedi est allé le rendre visite. Mobutu perd son enfant. Tshisekedi est allé le rendre visite. C'est ça la politique. C'est ça la politique. La politique est idéologique.
Mais est-ce qu'au Congo, la politique est idéologique? Au Congo, la politique est devenue tribale, ethnique. Et quand je suis parti à RCF, à un moment donné, on nous appelle pour concevoir le FENADEC par Koya Diallo. Je suis le concepteur aussi de cette histoire. Je me retrouvais dans tous les grands labos, peuple de Dieu. Et j'ai compris beaucoup de choses. Dieu m'a formé, Dieu m'a préparé pour bien conduire le peuple. Les enfants de la bergerie, ne soyez pas des hypocrites. Ne soyez pas cramponnés. Un voisin t'appelle. Regarde, Batawa, pasteur, une boule. Ne on a pas mieux. Passez dans ta cour. Plein de salut. Quand on m'injurie, tu vas dire à ces gens-là, il ne faut pas l'injurier. Hein? Il faut avoir le courage de Mahoma Sangou pour aller dire non, pas question ça. Pour moi, tu manges avec celui qui m'injurie. Il fait partie de tes amis. Il faut avoir la capacité. Il faut se peser. Est-ce que tu es un leader? Est-ce que tu sais convaincre les gens? Le leader a la capacité de convaincre les gens, de transformer les gens. Notre mission, ce n'est pas la mission de la 30e, non. Nous avons une autre mission, appel des dieux. Notre thème de l'année, ce n'est pas le thème de l'année de la 30e, ce n'est pas le thème de l'année de l'Église catholique, ce n'est pas le thème, je ne sais même pas s'ils ont des thèmes de l'année. Vous constaterez, la plupart des églises, maintenant, ils commencent à avoir des thèmes de l'année. Mais ils oublient le thème, le 31, ils laissent les thèmes, ils font autre chose. Mais nous, on descend avec le thème jusqu'à la fin de l'année. Quelle exception! Pourquoi Dieu nous a mis dans l'exception? Dieu nous a mis dans l'exception parce qu'il prépare l'avenir de beaucoup de gens dans cette salle demain. Ce que Dieu prépare pour toi, il faut le capitaliser. Dans la vie, il faut être humble. Tu peux faire l'université, mais tu avais des mauvais professeurs. C'est comme à l'école primaire. Il y a des gens qui ont fait l'école primaire. Il y avait, tu es dans une classe d'un syndicaliste. La plupart d'élèves qui étaient dans des classes des syndicalistes, mais les syndicalistes, chaque fois dans des réunions, ces élèves-là n'ont jamais été à la hauteur. Un petit rien, il va dans les syndicalistes. D'autres, les sportifs. Chaque fois, il y a match, on vous laisse avec le chef de classe, l'enseignant part. Tu peux connaître des insuffisances, tu es universitaire. L'apprentissage commence par la naissance, elle se termine par la mort. Nous apprenons chaque fois. Soyons humbles d'apprendre et de réussir un jour. Vous comprenez bien plus de Dieu. Nous allons basculer au... Aujourd'hui, c'est 15e. Hein? Papa Ilunga, toi, tu es toujours à la page. C'est combien? 16e. Sinon, Papa Ilunga, non, mais il y a 5 ans, mon page. Oui, il y a un cas de ligne. Il y a un cas de marge. Marginaliste. Tu dis 16e? Nous allons déclarer le 16e sous-thème. Tu es porté par Dieu, c'est ça? Vous êtes prêts pour le 16e? Tu sais, moi je dis tu, hein. Allons-y au nom de Jésus-Christ. Je suis porté par Dieu, je l'ai capité en éternité, et je vivrai encore jusqu'à la vieillesse heureuse. Qui est la montre en scène? Comme il y a pas la M, je ne vais tout cas papier, mais la guante qui a bien. On a fait ça tout ça, on a bien mon kitchou. Hein? Ben, on va par jour, tu as tous 5.
on suppose que tu déclares ta 5 ou la bébé ou la femme. Hein? Bien sûr, on a fait. Il y a des gens qui font ça. Je suis porté par Dieu de l'éternité en éternité. Allons-y avec autorité cette fois-ci. Je suis porté par Dieu. Je suis porté par Dieu de l'éternité en éternité. Et je vivrai longtemps jusqu'à la vieillesse heureuse. Je vais t'expliquer que signifie je suis porté par Dieu. Naturellement, qui porte qui? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. D'où? Quand nous marchons, nous portons Christ. Mais ici, quand on dit « je suis porté par Dieu », ça veut dire « je suis soutenu par Dieu ». »« Je suis conduit par Dieu ». Tout ce que je fais, ce n'est plus moi. Mais c'est Dieu qui vit en moi, qui fait tout. C'est ça, je suis porté par Dieu, de l'éternité en éternité. D'où Dieu me conduira toute ma vie. Je serai à l'écoute du Saint-Esprit. Nous allons entrer sur cette partie. Je suis porté par Dieu. Dis ceci, Dieu ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas. Ne me laisse pas conduire seul. Dirige mes pas. Dirige mes voies. Dirige mon intelligence. Prions, 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 peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, Dieu de puissance. Je reconnais, je suis porté par toi de l'éternité en éternité. C'est toi qui me conduis, c'est toi qui me dirige, c'est toi qui m'oriente. Toi qui me portes, toi qui me diriges, toi qui m'oriente, toi qui me conduis, toi tu fais de moi la tête et non la queue. C'est toi mon père, mon véritable, c'est toi mon guide, c'est toi qui marche avec moi, c'est toi qui conduis mes pas, c'est toi qui dirige mes pas, c'est toi qui m'oriente, c'est toi qui me conduis, c'est toi qui me dirige. Je ne veux plus marcher seul sans toi. Je ne veux plus vivre seul sans toi. Je ne veux plus manger seul sans toi. Par contre, j'aimerais me soumettre à toi de l'éternité en éternité. Papa, je me soumets à toi. Je me soumets totalement à toi. Je me laisse entraîner par toi. Et c'est toi mon guide. C'est toi mon véritable guide. Le guide de l'église. Le guide de mes pas. Le guide de ce pays. C'est toi qui dirige ce pays. C'est toi qui oriente ce pays. C'est toi qui influence ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, à cet instant, j'aimerais te voir à l'œuvre, en train de me guider, en train de nous guider, en train de nous orienter. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es trois fois saint, toi qui sais orienter, toi qui sais diriger, dirige mes pas, oriente mes pas, guide mes pas, en nom de Jésus-Christ. Tu vivras longtemps. Jusqu'à la vieillesse heureuse. Amen. Nous sommes à la fin de l'année. Là où il y a des calculs maléfiques.
là où on cherche toujours à tripatouiller, qui tuer, là où on crée des accidents, on jette des choses pour que les gens meurent. Nous sommes dans une période là où le diable s'arrange pour que tu souffres. Ses adeptes s'arrangent pour que tu tombes, pour que tu chutes. En ce moment favorable, tu vas dire, je vivrai longtemps. Et alors longtemps, aucune maladie. Même si quelqu'un dit tu as le sida, tu ne mourras pas. Amen. Aucune maladie. Même si tu as la tuberculose, tu ne mourras pas. Amen. Même si tu as l'hypertension artérielle, tu ne mourras pas. Amen. Tu as l'hypotension, tu ne mourras pas. Tu as, je ne sais pas, les infections, tu ne mourras pas. Tu vivras longtemps. Et comme tu vivras longtemps, commence par déclarer halte à toutes les manœuvres dilatoires préparées dans le camp adverse. Les accidents, maladies, l'esprit des morts, la chute, la pauvreté. Neutralisons ces choses. Prions avec autorité au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est préparé dans le monde des ténèbres, maladie, maladie, pauvreté, accident, tout ce qui a comme manœuvre dilatoire préparé dans le camp adverse, l'échec, l'esprit des morts, esprit de maladie, la maladie, la chute, hypertension, hypotension, toutes ces choses contre nature, je vous à l'échec, je neutralise, je paralyse, j'en ai en tout, je bouleverse, je rends nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je refuse. Et alors je refuse les préparatifs du diable, les préparatifs du malin, quel que soit le degré, quelle que soit l'issue, quelle que soit la teneur, tout ce qui est préparé dans le monde des ténèbres, je vous allège, je paralyse, je dis halte, je neutralise, je renverse. Les maladies, au nom de Jésus-Christ, que toutes ces choses tombent, que toutes ces choses soient anéanties, que toutes ces choses soient voilées, que toutes ces choses soient renversées, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, en ce moment favorable, je bouleverse, je renverse. Seigneur, ouvre les écluses d'en haut en faveur de ta servante, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour cette contribution, pour la 306, bénis ta servante, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ouvre les écluses d'en haut par cette dîme. Bénis ton enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ouvre les écluses d'en haut en faveur de ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis ceci à cette fin de l'année. Je vais traverser avec toute ma famille. Prions avec autorité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre les écluses d'en haut au nom de Jésus-Christ. Je vais te prier avec action de grâce. Amen. Je vais traverser.
continuer. Pour cette action de grâce, avec toute ma famille, de son ordination du 2 novembre 2022, il reconnaît encore cette onction. Sois béni. Témoigne la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvre les écluses d'en haut. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais traverser. Ensemble avec ma famille, nous allons traverser. Nous allons traverser. Par cette action de grâce, débloque la situation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu créateur du ciel et de la terre, le vainqueur des nations, c'est l'heure d'agir. Personne ne pourra prendre même un jour de tes jours. Personne ne peut jouer avec ton étoile. Personne ne peut, et alors il ne peut pas oser entrer chez toi. Amen. Et faire du n'importe quoi. Amen. Même tes biens, ton travail, tes études sont protégés par Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. La protection. La protection. Au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait des signes probants. Les élèves, il faut que vous voyez que les points sont en train d'augmenter. Amen. Ceux-là qui font les affaires, vous devez voir. Les avoir, vous devez voir comment est votre capital, vous devez voir les bénéfices, ça doit changer. Ceux-là qui font le champ, cette fois-ci, vous devez bien récolter, ça va bel et bien pousser sans problème. Ceux-là qui sont avec les fermes, que Dieu se souvienne de tout ce que vous faites avec autorité, tout ira mieux. Prions au nom de Jésus-Christ. Tout ira mieux. Seigneur, fais quelque chose de grand. Fais quelque chose de puissant. Fais quelque chose de fort. Tout ira de mieux en mieux. Promotion, les affaires vont prospérer, les études iront bon train. Au nom de Jésus-Christ. Beauté bien à foigna temps plein. Il faut balayer bien à Tomika, Banabangare, Banasema, Mungujo, chef. Vous comprenez? Il ne faut pas avoir des pasteurs pauvres. Amen. Les anciens pauvres. Non. Les diacres pauvres. Non. Les évangélistes pauvres. Non. Les choristes pauvres. Non. Les intercesseurs pauvres. Non. Fini la pauvreté. Amen. Fini la routine. Amen. Attention, vous qui faites le temps plein, le secret c'est celui-ci. Acceptez d'abord ce que Dieu vous donne. Il est des moments de test. Ce qu'on appelle le stage spirituel pour la valorisation et la mise à niveau du serviteur. C'est quel stage? Il est des moments où tu te réveilles, tu n'as pas une lotion, la lotion. Tu n'as pas le cirage, ne te demande pas. Moi ici. Demandez à ceux qui me connaissent comment j'ai grandi.
Mais j'ai connu 3 ans de dur labeur. J'ai eu à cirer mes chaussures. Avec quoi, vous savez? Je prends le charbon. Après mon lage, je tamise la poudre. Je prends l'huile de palme. Je mélange. Après 30 minutes, je cire mes chaussures. Et chaque fois que j'ai passé, les gens disaient, avec quoi tu cires tes chaussures? J'ai dit, avec le cirage céleste. Je n'avais pas, moi depuis mon jeune âge, hein, depuis l'école primaire, depuis, j'aime mettre la pommade. À l'époque, on mettait ce qu'on appelle le brillant. Mais hélas, les 3 ans là, j'avais connu un moment de dur labeur. Ancien Guilin, vraiment, a mené l'huile moteur vidangée là. Il a mené à ma femme. Les gens qui venaient chez moi, ils voyaient comment le ciment qui brillait de l'extérieur à l'intérieur. On mettait cette huile là. Après avoir torchonné, on met l'huile là. Si tu n'as pas les carreaux chez toi, prends ça. Ça va briller le ciment. C'est ce que je faisais. Et à la fin, je n'ai pas de pommade. Je prends la même huile là. J'applique. Quand je passe, oh, tes cheveux brillent. Mais quand je suis prêt avec quelqu'un, il dit, on dirait la mazout, hein? On dirait l'essence. Moi aussi, je dis à la personne, moi aussi, je sens ça. Voyez-vous? Tu sais, non, c'est pas toi. C'est moi, mais c'est pas toi. Tu n'as pas touché la mazout. Tu vois la personne? Peut-être, hein? Je ne sais pas. C'est moi. Comment Bantoli Benanita Bandjina Yote? Ils ne savent pas ce que j'ai accepté. Ce que j'ai enduré. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, peuple de Dieu. Il y a des gens qui ont peur de la vie. Quand crise kaloko, kanakokuya, déjà, keshonenda kwaouyu, kwaouyu, pas ta bénédiction, c'est difficile. Accepte la crise là. Accepte. C'est pourquoi la crise, on la revit après. Parce que tu as accepté. Parce que nous devons vider de toutes les substances dans notre processus vital. Voilà pourquoi nous allons prier pour ceux qui font le temple. Nous ne voulons pas avoir les pauvres parmi ceux qui font le temple. Vous savez, quand un pasteur manque, un serviteur manque, il bascule à l'escroquerie. Comment ça? Tu verras le pasteur dans sa tête, il commence à chercher où est-ce qu'on peut rendre visite. C'est là que vous voyez les pasteurs, ils cherchent que les gens qui ont des moyens. Ils rendent visite seulement les gens qui ont les moyens. Jamais ceux qui n'ont pas des moyens, à cause de la pauvreté. Mais ça, ce n'est pas mon éducation. Tu vois, un pasteur, il manque chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone. Il appelle une maman qui a les moyens ou un papa. Léomina Lota. En ancien la langue. Comment tu regardes le courage? Attends, sorcier, ça m'a pas fait. Tu vois le pasteur Anaïta. Elle m'a dit, maman, oh Jesus. Papa, bien à quoi tu as bien. Nous, on a ri. Je vous dis, les hommes de Dieu, on n'a qu'avant toi, on va aventurer ça, moi. Après, Bilemirona, Sandoukou, maman, bon, on a peint à couf. Maman, boit elle a 1000 ans. N'a pas nommé, n'a pas peint à couf, elle n'a pas voté. Derrière, maman, qui m'a gagné à ro, qui vous coûte tout. Bah, non, mais on a ro et à boca. Moi, je n'ai pas de malaria. Maïtou, mon homme est un homme qui est un homme qui est un homme. Mon homme est un homme qui est un testament. Minenda, mungu minenda. Dieu va nous mener à la. Alors,
Il faut faire attention, on est le maestro qui rit. Tu veux demander quelque chose, on sait, Mungwa Nyambia. Tu te bloques encore. Où le moyen n'a quoi bien, comme moi, je n'en ai pas 10 dollars, 20 dollars. Attends, pas 100 dollars. Attends, pas ça qui a bon. Tu hypothèques ton niveau, tu as ça qui a bon, ça qui a mouchele. Mieux vaut rester affamé. Le Dieu qui t'a appelé au ministère, moi je te dis la vérité, tu ne manqueras de rien. Voilà, nous allons prier pour ceux qui font le temps plein ici à la bergerie. Bashkwe ba escro. Bashkwe ba escro. Je n'ai pas dit il ne faut pas demander, mais faire coulombe avec beaucoup d'honneur et beaucoup d'égard. Amen. Pas avec beaucoup de facilité. Non, peuple de Dieu. Il ne faut pas ça. Il ne faut pas ça. Il faut penser à l'excellence pour que la gloire de Dieu éclate. Je vais vous donner un exemple. Je revenais de la banque. Je vais à l'ICASI. J'avais perdu de vue que c'était un samedi. Pour moi, c'était un vendredi. Vous savez, nous, on oublie par moments comme ça. Je me suis rendu à la banque, c'était vers les... J'ai quitté Cambove, 14 à 15 heures. Il y avait une situation. Et à la fin de cette situation, je voulais retirer quelque chose. J'arrive à la banque. C'est déjà fermé. Or, je me disais, je vais payer l'essence. Quand je vais retirer, je regarde dans le tableau de bord le signal jaune. Je vais faire quoi? Pour dire, tu n'as plus rien, tu mets déjà à mal la pompe. La VX, c'est 6 cylindres. Mais je n'ai pas retiré. Que dois-je faire? Je suis rentré à Cambove. Je dis, bon, s'il faut que ça pète, ça pète. Je ne peux pas aller à gauche, à droite, demander pas même une goutte d'essence. Je suis entré par la première avenue. Je vois Soula. Il avait le véhicule de la société. Il vient devant moi. Je ne sais pas s'il revenait de Lumbashi, d'où, je ne sais pas. Je me suis dit, ah, là, je vais abîmer le véhicule. Même l'engine, ça a clignoté là. J'ai dit, non, là, je vais abîmer le véhicule. Soula, il vient là, il s'arrête devant moi. Il dit, papa, j'aimerais aussi avoir dans ma vie un véhicule. Il sort 50 dollars. Paye l'essence. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le roi de l'air? Mon apikaga mikono difficile parce que mon apenda koshika biote. Mon achika bien mon kanisa, mon achika na bien kwa mama zeli. Il faut koshika ki moe. Il a sorti pont. À cette époque-là, 50 dollars, tu peux faire 80 litres. Et là même, je me suis dit, que dois-je faire? J'ai appelé l'ami, j'appelais honorable Demuto, il n'était pas là. Il a dit non, appelle Eric. J'appelais Eric, il est venu avec les bidons d'essence. On a mis sur la première avenue. Je donne un exemple. Il n'y a pas d'exemple, mais il y a un exemple à faire l'état où il y a un bail. Coba sensible. Je reçois Michel Mankou chez moi. Il vient chez moi. Je n'ai même pas un franc. Il envoie Diakabéa, il a payé du pain, les avocats. Et Nakura Shumkrabata initia. Il mange chez moi, il n'y a même pas une poudrière, il n'y a rien. Il mange, il finit. Après, il veut aller se soulager. Il arrive là, il trouve la toilette pleine. Il verse de l'eau, ça ne passe pas. Assurément, c'est Béa qui avait fait ça, qui avait rempli. Ça doit être lui.
Il arrive là, c'est... il sort, il me dit, mais la toilette est pleine. Je me rappelle chez Papa Mpande, on avait connu cette histoire, on avait fait venir Kojema. Il demande l'argent à peu près, il a donné un montant là. Il dit, bon, je te laisse 100 dollars. Il a voyagé, je l'ai accompagné, il est parti. Je rentre, il dit, bébé, tu es beaucoup tard. Je suis venu à Kintu. Je suis venu à Kintu. Je suis venu à Kintu. Nous avons dit, c'est maman Mira, c'est quand j'étais encore à l'annexe. Mais je pense que nous avons vu une belle béa. Comme on a dit, il y a une béa, parce qu'il y a une longa, pas mal de bade. Alors, je me suis dit, oh, un intercepte, peut-être que Caleb a dit ça. Alors, je suis joué à une miché, pas mal de jours, pourquoi pas le faire avec les mambo? Mambo Niro. Alors, mon goût écho à miracle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, Béa, il vient me dire, papa, non, il y a où tu débouches, il y a mis dans mon Dieu, il me faut qu'il parle. C'est là, il y a où tu débouches. On en a débouché en Iran. Mon goût, 200 dollars. Il était là, comment il y a Kojema? C'est comme ça quand on est enfant de Dieu. Hein, c'est ni les mêmes exemples tout dans l'état, il y a un niveau à Chine, il y a un niveau à Yul. S'il faut que nien de Yul sam, vous allez vous étonner. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mungu nous a miracle. Rendez-vous compte, nous avons voyagé nien de Kinshasa mon dans la neuf. Chemise koukol isha ou pasuk. J'étais à l'immeuble Mulongo. Moulechin Mouaka couturier moi. Mina chouka pour que ba changer col. Son col ba changer, ba yéouze ngam. Il est mis ta voix là, nien de nan yéna mon avion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sœur Kim, alors comme premier niveau là, on restait. Elle m'appelle et dit non, non. Papa, pasteur, ben c'est ma vol. Soit ni le mangaribi, soit ni kechou. Ou l'année ni anayambia ni lima. J'en anayambia sema von le au kechou. Ni kod yamoutou mou eranzo tumiga kwa erveya. Mais sinon, baïche tout mbio mbio ni foule chemise. Il y avait quelqu'un du gouvernorat. C'est pasteur. Tu vas faire quoi Kinshasa? Dans un expliqué. Tu changes. Toi ndé. Tu es au gouvernorat. Il m'a donné l'argent. Aux avalises, aux amancochi. Après Mangaribi, parce que Kabengele, encore Nyangaria, je vois, il m'amène aussi deux costumes. Na valise de Nano, valise moi rouge. Et quoi, chaque Walabika? Na bibila, tout le monde bien rouge. Na pochette, il y a rouge. Alors, il est de rouge. Ça veut dire Manseba, na voilà. Na c'est bon, Manseba, bon, na niche. Mina. Na birudisha biote na mamangua biote niana binarudia. Na upada beti encore birudisha. Mais la moulise, hey, Astin. Asse, ah, chako pika mankochi moya ou baba. Voyez-vous, bien mungu. Jo bien mungu, peuple de Dieu. Accepte. Pour modérer mariage à pasteur Eli. Parce que c'est pas que tu as modéré bien. Moutaka bageni, moutaka bantuka nindan. Mais c'est qui l'a dit? Qui l'a dit? Pasteur, qui l'a dit? Pour vous, on a une troupe pour le gombel. Qu'est-ce que j'ai fait? Chaussette à blanche du Chonokane. Je ne peux pas les cirer, j'ai voulu bien bien. Il est fabrication locale. Il pique pas chaussette. Mais prenez-nous la bougie, bougie. Il est parti en noir, chinine. Qu'à partir à blanc en organe. Mon mariage à pasteur elle. Là, j'étais modérateur. Pasteur, c'est pas kawé. Quand on a gâté la bataille, on fonga gagné ça. Ah, j'ai modéré. C'est pour te dire quoi? Oh, on a pris mon joueur quit. Mon bébé charge yako. Bantu minga bayouake, quel est mon niveau sur le plan finance? Chacun spécule sur moi parce que Shina Montakuria, Achakuria, Léo.
Le achafonini kuria. Au vivre miracle, ya mon toucha kuisha, thème de l'année. Mateso yende. Amen. Maintenant, mon kono mungu ifanche, mambo mo ya bia. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas dire ceci. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Pas capasas. Balebe kuma un pesa. Balebe kuma. Il m'a dit babumba fila ba nini. Il est tenu le manima RTL mususu RTL kane bintu kane. Bile biote hein? Eh, on est changé premier semaine bien boule oui là. Eh, j'ai mis la bionac alors. J'ai mis la bionac. Moi ba le mokou bile bin, bile bin tu bile. Nase o joki oui. Nase bile bin jobe a biwele oui le bile. Parce qu'il est manini, ma entreprise, à mon entreprise à Tamo congolaise, il y a téléphonie. Barou à ma entreprise, tu crois non moi tu as téléphonie, na ma téléphone fixe tu crois non manyumba. Bana l'état et ma entreprise, moule mon ma commission à ba président banane ba boté banzaman. Ils ont des commissions comme Airtel, Vodacom, Mabintukan. Ils ont des commissions. Alors vu le chaque ngia mokile kintu. Si tu n'ai on a c'est banitu mes $20. Kulo ngia nanta kutumeka. Kula ba sa tomaka $1 million ay sapita. Ku limite à ma montant ko bile bintu. Ka on ngia chance mené di limité niveau yango yo. Long, on peut mon, on peut gratter $100 long. Hein, on va t'acheter bien $100. Ça m'a quand même tout ma $2000. Bah la Chine doit qu'à qu'on réunir $2000 du coup. Au terme de ce quartier $2000, bah on t'a retiré après une semaine, deux jours, trois jours. Hein, je peux le chercher ingi à quoi? Ouais, kajako, ingi à quoi? N'abat tout temps qu'on va ingi, n'engambo à quoi ingi? N'abat tout bal, mou ingi loin. Ouais. Moi je ne vois pas la vision comme ça. Moi, je vois la vision autrement. Quand on fait une tumia, on a une tumia ville. Tatafta numéro est accro. On a une tumia, on a une tumia. Un choc, on a une tumia à mon niveau accro. Alors, bien bien mon niveau accro, bien. On a une tumia à mon niveau $10,000. On a une tumia à $10,000. Hein? Aujourd'hui, fixé, c'est 1000 ans. On a 20. On est bien, on a besoin, bon, on a besoin, on a besoin, on $30. Je vais vous tenir là. Alors, moi, il est mon gosse, mais il a tout comme tout le monde. Dieu a dit, on a besoin, on a besoin, on a besoin, on a surtout, on a besoin, on a besoin, on a besoin, mais on va la faire d'une chose que ce commencement. Hein? Si tu la fais revisitation, et que surtout, on a besoin, on a mais nous, c'est la fois, tu as besoin, il y a doublement. C'est ça ma stratégie. Mon gars, on est que. Il cache tout pas trop, chaque fois une fois, tu ne fois deux fois. Pour que tu gagnes triplement, doublement, amen. Ainsi de suite. Amen. C'est ça ma stratégie. Voilà pourquoi il m'a soutenu. Wanze quoi naïo. Wanze quoi déclarer. Quand on a un problème en match, on va indiquer binéni. Ou sommet. Quand on a un problème en somme, biombi, oui, somme, c'est à quoi pole pole. Parce que nous confessons. Quand tu confesses, c'est érigé. Quand tu ne confesses pas, tu es venu pour un travail nul. Il faut confesser sous thème. On m'a dit ça, c'est mon goût, mon goût. Mais c'est quoi ça qui tape? Attends, on a un l'offre. Mais qui jure le haut, comme on dit ça. On m'a dit ça, mon touchant, ou qui ça. Nesha fois cornu na den ya pasteur wang hier ans qui fondit sur la kish na mini ndani yake na yon ndani yang tu cha formé cori moi tu mabintu loko mina katar. Est-ce que tu es prêt à katar tu bintu loko anga mungine pressé aga ko bukana ni Thompson. Thompson en cas voyou en cas têtu attends mon kalanga attends mon ka sociaje attends mon ka piripi pari cha chifungaki enanga piripiri vile unaweka enanga tomata enanga chum vile unaweka na wewe unamkure na kuangalia je unafia kuenda pwese kuangalia na kuangalia muna ngarana naye afungake macho me Mungu wetu je afungake macho yake ni ya bien yana kuangalia ifa kubariki umweleze Mungu asiye Mungu
mina touche tu makuta tu loko. Mungu, tawazaka que ceux-là qui touchent beaucoup d'argent, ce sont des sorciers. Le jour que tu vas me donner aussi à moi, je palpe, je touche. Là, je dirai, Dieu est grand, Dieu est puissant. Je vais exhorter aux jeunes filles, surtout aux jeunes garçons, attention, il y a qu'il y a un mouvoir, il y a qu'on voit la voile. Soyez des jeunes avec l'esprit d'épargne. Vous commettez une erreur. Moi, j'étais chez nous. Mon grand frère là, badadam, dit quoi na ka? Qu'est-ce qu'il y a dans makuta? Il faut qu'on a sens et à quoi épargner. Après quoi on a sens? On est où là? On a voilà quoi sens? Qu'est-ce qu'on a voilà? On a voilà rien à nous canis. Mounyambi, on a voilà rien. Na nous les tangers c'est ni à sens. Oulala, quand je crois que c'est ni à sens ni en zaman. Hein? Ah papa il nous a chopé à détendre. Il détend ni à sens ni en zaman. Ni à sens. Et Joe, oui, voilà Léo. Et Joe, Léo n'est pique. Il s'est entendu dans la fondue, monsieur, c'est Niasas. Premier, on est voilà, au chaque, il voit là. Je non, Niasas. Papa, il est Joe, Léo n'est voilà, il détend. Mais pour moi, il n'y a pas de chicoté. Parce qu'on a beaucoup de choses qui sont venues à côté. Par téléphone. Et ne fait pas de couleur. Je ne sais pas si c'est ça. Ça, mais il y a ça. Je ne sais pas si c'est 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 ça. Je jeune et le temps qu'on épargne. Je suis venu à ma vie. Je suis venu à ça. Je suis venu à changer. Non, non, c'est fou. L'argent appelle l'argent. En français, on dit l'eau va à la rivière. D'où créer l'esprit de la richesse en épargnant. Il est bien coupé quoi, non? Il n'a pas plante, il n'a pas mèche, non? Il est bien coupé wake. Chaque mois, on épargne quand même petit rien. Dans une année, tu vas te retrouver avec beaucoup d'argent. Deux ans, beaucoup d'argent. Trois ans, on a fondé la compte à Coco Bank. On a tout à moment un pesa. On a tout à moment une binge à Bayanini. On a bientôt cam. À pan, quand même petit rien. Ngoua, un petit rien. Ngoua, à pan. Il faut ce qu'on te donne, tu dis, ouais, c'est quoi épargner. Je n'ai pas piqué des temps, Michijou. Michijou, il est ancien. Hein? Il y a des temps. Ni à ça, c'est ni en zaman. Ah, il y a ni en zaman, des temps. Il y a ni en zaman. Je vais chercher, il y a des temps. 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 Un presque modèle mystère et moi qui j'en a pas bien bien tiré hein? Au moins les émons mina gata la tobe du tout. Vous comprenez? Oui. Est-ce que vous croyez moi? Dio anga ou leo pressa quand on comprend ensemble. Il faut quoi sensible. Non, on a eu ma période quand tu as ton représentant Kumbele na kufundisha. Il faut en profiter. Amen. Ma gracieuse, il y en a choisi. Amen. Toutes les grâces. Amen. Je reçois. Grâce à vision Amen. Totale. Amen. Il y a mission. Amen. Il y a doctrine. Amen. Je reçois. Vous comprenez, peuple oui. De Dieu. Il faut en profiter. Ah. Après, on a dit, ah, quoi, tu dis, tu as beaucoup de malaki. Oh, pourquoi on a boulette? Boulette, il y a une soya. Il faut faire attention. C'est compote. Bantu na kabuka na nkalanga. Afu mona biona ka jebi le bintu biotele. Mona te so mantu mon. Tumbo ko ni ni poubelle. Là tu mets tout. Donc quand tu na tumbo ni buka na. Wa tu ni kelo no buka na nkalanga kuna ko. Eva Mardoché a kora buka na dessin ya kitoyo. Boukari n'a dessin qui tourne. Alors, tout le monde a poubelle. Sacrifie-toi pour la gloire de Dieu.
Est-ce que tu es prêt? Oui. Omolezi mongui, je maintiens là. Amen. Minakata la tobe. Amen. Pourquoi? Parce que comment on est ni porté? Amen. Mais où on est ni porté? On n'est ni pas tobintu tolok. Tu me portes. Il faut que balé batavia que tu convertir par moi. Bon, et que tu m'as porté. Amen. Quelqu'un comprend ces choses? Oui. Dieu. Avec autorité, prions, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, une revanche. Dieu de grâce, Dieu de la haute retraite, Dieu de la haute miséricorde. Tu es le Dieu de la grandeur. Tu es le Dieu de l'abondance. C'est l'apéro de la grandeur. C'est l'apéro de l'abondance. Au nom de Jésus-Christ, Dieu opère le miracle et fait éclater ta gloire, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle de siècle. Merci Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur du ciel et de la terre. C'est la période de l'abondance. C'est la période de la grandeur. C'est la période de la haute retraite. C'est la période de la haute miséricorde. Peuple de Dieu. Ce Dieu qui te porte, c'est le Dieu de l'abondance, c'est le Dieu de la grandeur, qu'il te porte pour faire de toi quelqu'un, une grande personnalité, avec beaucoup de moyens, au nom de Jésus-Christ. Je sais que tes moyens vont contribuer à l'édifice, le temple que nous allons construire. Je vous bénis sur le plan matériel. Je vous bénis sur le plan spirituel. Je vous bénis sur le plan financier. Peuple de Dieu, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Que le Très